grand chemin. Comme ça, tu vas habiter chez les Lucas. Oh, juste pour les vacances. Ça va pas l'air de t'emballer, hein? Tout de même, ça me fait plaisir que tu me l'amènes. Tiens, regarde donc ta voisine qui vient fureter par là. Elle a jamais vu de petit parisien d'aussi près, tu comprends? Tu veux que je te montre mon observatoire secret? Où ça? Viens voir. Marcel, le bonhomme! Mais non, remets-toi. Oh. Il est pas bien fin, mais il va pas te manger quand même. Es-tu content de venir en vacances à Rouen? Alors ça, c'est pas sûr. Donne-moi donc quelque chose qui le requinque. Quelle viande tu préfères, bonhomme? Le poisson. Mieux, c'est quand il y a un enterrement. On est aux premières loges. Du jour où t'as compris que ça t'achète, t'as tout fait pour l'éloigner de moi, cet enfant. T'en parles comme si t'étais sa mère. Il est comment, Polo? Il est menuisier. Il est gentil. Ça dépend. Ah! 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 Charité, qu'elle vient au secours du poivreau. Là, c'est parce qu'elle a honte. Elle a honte. Elle a honte, hein? Elle a honte. Et moi, j'ai pas honte. Tu pleures? Qu'est-ce que tu racontes? Je pleure pas, je mouche. Avec le karaté, tu dégommes les chiottes de Marcel. D'une seule main, les doigts dans le nez. Oui, eh ben que je te vois seulement toucher au cabinet, hein. Ça sera peut-être pas du kataké, mais ça pourrait aussi bien te chauffer les fesses. Allez, ôte-toi de là, sinon je t'enferme dedans. C'est pas beau la cambrousse, vue du paradis? T'as parlé de moi, Marcel? On dit que j'étais un vilain bonhomme? Je sais pas. Allez, viens. Mais pas mieux ici qu'à la messe? Il me rend le moins mieux.